de fédérer les acteurs publics et privés français qui travaillent sur la ville, c'est-à-dire les ministères, toutes les grandes agences. Alors ici, on a notamment l'ADEME, Ubifrance, l'AFD, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis les entreprises. Alors les entreprises qui travaillent sur la ville, c'est à la fois des architectes, de l'ingénierie, des grandes sociétés comme Eiffage, Vinci ou Bouygues, mais c'est aussi Veolia, c'est aussi Suez Environnement. Ce sont toutes les entreprises qui travaillent sur les déchets, l'eau, l'énergie, mais et aussi bien sûr la mobilité. Puisque aujourd'hui la mobilité c'est un des sujets phares des problématiques urbaines. Et donc autour de tous ces acteurs qui travaillent ensemble, on s'efforce d'abord d'expliquer ce que c'est que la ville durable pour nous Français, d'abord une dimension humaniste, d'améliorer les conditions de vie des populations et puis aussi bien entendu d'avoir des villes performantes à la fois verte et intelligente, comme on dit aujourd'hui, et de porter tout ça à l'international en recevant des délégations, en venant dans des salons comme Polytech Maroc, bien entendu, en essayant aussi de porter des projets spécifiques dans un certain nombre de pays.